Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment les pianistes professionnels arrivent à jouer aussi vite avec autant de dextérité? Quelque chose qui vous a peut-être frappé, c'est à quel point chacun de leurs doigts sont indépendants les uns des autres. Et ça n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont travaillé cet aspect bien spécifique de leur technique et aujourd'hui qui leur donne cette virtuosité à chaque fois qu'ils jouent, cette capacité donc à dissocier chaque doigt. De mes recherches, il semblerait qu'il y ait un exercice très pratiqué par les professionnels du piano qui est très peu connu en France. La première personne que j'ai entendu en parler, c'était Peter Martin, je crois, un pianiste jazz de Saint-Louis aux États-Unis. Et cet exercice vient d'un obscur bouquin de 1898 qui s'intitule sobrement Exercice pour l'indépendance des doigts. Je n'en avais jamais entendu parler et ça semblait avoir été super efficace pour ces différents pianistes qui en parlaient. Alors j'ai voulu essayer et purée, je regrette de ne pas avoir fait cet exercice avant parce qu'il fait énormément progresser et je me devais de vous en faire une vidéo. Je préfère vous prévenir, c'est pas un exercice facile, bien au contraire, mais il marche super bien et en le pratiquant ne serait-ce que 5 minutes par jour, vous allez très rapidement sentir une amélioration dans votre technique de jeu. Écoutez, le mieux c'est que je vous le montre et qu'on le fasse ensemble directement sur le piano. Pour cet exercice, on va faire différentes variantes. Mais la manière de construire la position de départ sera toujours la même. Pour la main droite, on va partir de Do et on va empiler des tierces mineures les unes sur les autres avec chaque doigt. Une tierce mineure, si vous ne savez pas ce que c'est un intervalle entre deux notes. Par exemple, de Do à Mi bémol, il y a une tierce mineure. Et pour trouver la tierce mineure, il suffit de partir de la note de départ, en l'occurrence Do, et de compter 1, 2, 3. Donc ça, c'est déjà le début de notre position. Si maintenant, on veut construire une tierce mineure depuis cette note, on recompte 3 notes. 1, 2, 3. À nouveau, 1, 2, 3. Et à nouveau. Et on a notre position de départ. Alors pas de panique si vous avez des petites mains et que vous n'arrivez pas à maintenir toutes ces notes ensemble. Vous voyez pour moi que c'est déjà un petit peu limite. De toute façon, on ne va jamais toutes les jouer ensemble. On va alterner entre chacune d'entre elles. Mais je vous montre cette position car il s'agit de toutes les notes que l'on va jouer. La main gauche, on va suivre le même schéma. Donc en partant d'une tierce mineure plus bas par rapport à Do, ça nous donne La. Et ça nous donne cette position. Vous voyez, entre chaque note, on a le même écart qui est à chaque fois une tierce mineure. Avec les deux mains, donc. Ça nous donne cette position un petit peu bizarre. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, on ne va jamais jouer toutes ces notes en même temps. Pour notre exercice, on va plutôt jouer chaque note de notre schéma les unes après les autres, en gardant toujours le pouce enfoncé. Je vous montre, vous allez tout de suite comprendre. Donc on commence avec le pouce, puis on joue l'index en gardant le pouce, puis le majeur, on relève l'index mais on garde bien le pouce, annulaire, gardant le pouce, petit doigt, et on redescend. Annulaire, majeur, index, et pouce à nouveau. Vous voyez, finalement, on monte et on descend les notes de cette position, mais on garde toujours le pouce enfoncé. Ok, rien que comme ça, c'est déjà pas facile. Faites l'essai, rien qu'en le faisant 5 minutes, vous devrez sentir que vous avez déjà plus de dextérité au niveau de vos doigts. Commencez lentement, hein, pas aussi vite que ça. On peut le faire 2-3 fois avec le métronome si vous voulez. Je le mets à 72. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que cette position de départ, eh bien on va maintenant la décaler d'un demi-ton vers le haut et on va faire travailler nos doigts de manière très différente. Donc on monte tout d'un demi-ton. Et on va le refaire. Puis
puis une troisième position en partant du même principe, on monte, on recherche nos tierces mineures. Etc, etc, pour toutes les 12 notes du piano. Et vous l'avez compris, en faisant ça, on a toutes les possibilités de position pour nos doigts sur le piano, et on acquiert une vraie compétence en profondeur, celle de bouger librement chaque doigt indépendamment, dans n'importe quelle situation. Concrètement, pour pratiquer cet exercice, vous pouvez commencer avec un métronome à faible vitesse, disons 70 battements par minute, faire la première position plusieurs fois, puis passer à la position suivante. Pareil, position suivante. Et ainsi de suite. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez jouer deux fois plus vite. Voire quatre fois plus vite. Etc. Alors là, je suis passé très rapidement d'une vitesse assez lente à une vitesse très rapide, mais bien sûr, allez-y progressivement en montant petit à petit la vitesse du métronome. Et faire chacune de ces positions dans toutes les tonalités vous fera énormément progresser en dextérité. Maintenant, une variante plus difficile. Vous allez me dire, comme si ça suffisait pas. Au lieu de jouer les notes dans l'ordre chronologique comme on vient de le faire, on va les jouer dans le désordre. Pour se situer, prenons le numéro des doigts. 1, 2, 3, 4, 5 à droite, 1, 2, 3, 4, 5 à gauche. En place sur une position de départ, on va jouer 1, 3, 2, 4, 5, 3, 4, 2. Je vous le fais. Et pareil sur toutes les positions du piano. Ok, c'est vraiment pas facile, mais c'est tellement efficace. On va le faire une ou deux fois à 70 battements par minute. Et pour changer un peu, on va le faire sur une nouvelle position. Je vous encourage bien sûr à le travailler dans les 12 tonalités, mais par exemple, si on part d'ici, et maintenant, essayons sur différentes positions. Etc, etc, sur toutes les positions. Et ce n'est pas grave si vous tâtonnez entre chaque position, que vous cherchez à chaque fois les empilements de tierces mineures. L'important, c'est qu'une fois en place, vous vous appliquiez sur l'exercice pour les 12 positions. On s'en fiche de le faire rapidement, justement, prenez le temps de tout bien décomposer, c'est le plus efficace. Dites-moi dans les commentaires vos impressions sur cet exercice, je suis curieux d'avoir votre avis dessus.
Et si vous le souhaitez, je vous laisse avec une formation gratuite pour débutants, dans laquelle il y a un exercice de technique justement, mais qui est beaucoup plus facile. Je vous mets tout ça dans la description si ça vous intéresse. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.